What's up guys, Power Junior PZ, et comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la reprise de notre Let's Play sur Dead Island, où tous les abonnés et tous les potos peuvent participer. Il suffit d'avoir Dead Island sur PlayStation 3 pour commenter avec moi, avoir Skype et une bonne qualité de micro. Voilà, Teddy, vous pouvez vous inscrire dans la description, enfin en commentaire de vidéo, m'envoyer un message privé par la suite. Avec votre Skype, de toute façon Skype c'est obligatoire, parce qu'il faut bien qu'on se contacte pour se donner les horaires, etc. Dès que je vais faire un épisode, alors il n'y a pas vraiment de moment défini. Dès que je vais faire une vidéo, je vais vous contacter, allez je vous prends du temps libre, c'est parti on fait la vidéo. Vous pourrez commenter avec moi, etc. Alors on va faire un petit épisode assez court aujourd'hui de 15 minutes. Parce que vu que j'ai terminé God of War en épisode de 30 minutes, alors que logiquement c'est 50. Bah je me suis permis de faire la reprise maintenant. Ta gueule. One of ours, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's disciples. D'accord. C'est bizarre, j'avais oublié que les voix étaient en anglais. En anglaise, je sais pas. Une voix anglaise. Bon, enfin bref. Vous avez compris. What the fuck? Ah d'accord, j'ai eu peur que la porte se défonce pas. Bah bon, d'accord. Il y a un putain de zombie derrière. Oh putain, c'est un assassin. Doucement, doucement. Oh, what's up? Allez. Et si je reprends le SP Dead Island, c'est pas pour rien. C'est pour coïncider avec la sortie du Dead Island Riptide, qui sort logiquement ce 26 avril ou 25, je sais plus. Et je ferai le let's play dessus aussi et on pourra y participer. Donc ce let's play remplace le let's play coop que je fais normalement sur ma chaîne qui est Borderlands 2. Mais vous inquiétez pas, je le reprendrai lui aussi plus tard quand j'aurai le temps. Quand j'aurai d'abord fini tous les let's play que j'ai commencé, que j'ai pas fini, genre Assassin's Creed 3 que je vais pouvoir finir. Quel contre-mur, dégage. Et y'a quoi d'autre comme j'ai pas fini Resident Evil 6 que je risque de faire avec Subaru, un autre youtubeur. Oh bâtard, meurs là. Voilà. Qui m'a proposé, donc oui, pourquoi pas. Il nous reste deux campagnes à faire sur le Resident Evil 6, qui est un excellent jeu je trouve quand même. Allez, on a arrêté, putain de cloche. Oh mon dieu, j'avais mal à la tête. On récupère hop tout ce qu'il y a dans les... Vas-y, nous on fait le gros clodo. Bonjour. You saved us. Those demons nearly pushed their way into the church. And Frank, his soul was lost to the beast. Ok, donc ça y est, elle va nous donner une récompense. Oh, branchez la mamie, elle donne des massues. Hein. Alors, faut servir avec son temps. Bon, je la ramasse, ouais, apparemment elle donne pas mal de trucs. Par contre, faut que je jette quelque chose en échange. Oh, n'hésitez vraiment pas à faire l'esprit avec moi, je vous en supplie. C'est même pour moi que je demande ça. Parce que... du moment qu'on joue à plusieurs, il y a beaucoup plus d'avantages, je veux dire. C'est plus simple, c'est plus sympathique et surtout quand je mets pause, et ben le jeu s'arrête pas. Moi, je trouve ça un avantage. Yesterday we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. They haven't returned. Wow, elles ne sont pas revenues. Yeah. Don't have return. Can you find out what happened to them? Or at the very least, turn the water back on. Au passage, je vous conseille hein, le Dead Island Riptide qui va sortir, parce que Dead Island c'est juste un jeu. Il peut pas être pire que le premier Dead Island. Même s'il peut décevoir parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'innovation, mais en tous les cas il sera au moins aussi bien que celui-là. Donc je vous le conseille. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous conseille vraiment. On pourra se faire le let's play ensemble, etc. Ça sera juste énormissime. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG à la première personne, incluant des zombies. Donc franchement, je trouve ça assez original. Ça me fait plaisir. Il y a des niveaux, il y a des points de compétences, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez que je fais des points de dégâts qui sont affichés. Donc ouais, et on gagne l'expérience, etc. C'est un pur RPG. Hein. En fait, si vous préférez, c'est un Skyrim. Voilà, c'est un Skyrim avec des zombies, voilà. En gros, c'est ça. Ouais, je suis sûr que ça colle pas très bien au truc, mais c'est pas grave.
Allah, et bim dans ta gueule. Alors les mecs portaient des masques avant de mourir comme ça, enfin avant de se transformer en zombie. Ils avaient des masques de psychopathes, enfin bref. Ta-la-la, ah, qu'est-ce qui se passe? Voyou du commissariat. Donc là, il y a tout le monde qui crame. Allez hop, laissez-moi passer s'il vous plaît. Aïe, putain, aïe, mais ils me mettent des tatanes dans le cul. Je peux passer par là, ouais. Forcément, si la carte me l'indique, c'est que oui. Je suis à Riverside. J'ai pas pu lui mettre un coup de pied, merde. Et vous avez vu qu'il y a l'endurance, et l'endurance c'est vraiment un facteur très important dans ce putain de jeu, parce qu'au bout d'un moment on peut plus taper, on peut plus courir, on se fait défoncer la gueule. Donc bon, plus on a d'endurance, mieux c'est quoi, hein, j'ai envie de dire. What's up, entre les deux arbres, j'ai pas réussi. Oh, ouais, super. Allez, on est à 100 mètres de la station de pompage, à ce que j'ai compris. Allez. Esquive. Oh là là, le slalom exceptionnel de zombies. Elle est là, station de pompage. Nous sommes au but. Oh putain, on me tire dessus! C'est quoi ça? Oh, un pack de snacks. Un paquet de snacks. Putain, oh le bâtard. Comment je vais faire pour le buter lui? On va courir, on va sprinter. Ah, ça me tire dessus! Meurs! Voilà, bon, ils ont lâché des flingues là. Normalement, ouais, il y a un flingue là. On va échanger contre quelle arme? C'est quoi qui tape le moins? Ça c'est de la merde. Allez hop, on prend le flingue. Oh, il y a plein de balles dedans en plus. Par contre, le flingue, je pense pas que ce soit efficace sur les sur ces mecs. Donc on va plutôt prendre genre la masse fiable. Et là, il y a du soin. Allez, c'est parti. On va essayer César. Ah merde, ça s'ouvre pas tant qu'on n'a pas buté les deux autres. C'est bon, maintenant que j'ai mon flingue. On va se calmer. Ils vont plus faire leur malin très longtemps là. En plus, c'est un M9. Voilà. 4 balles pour tuer un mec quand même, hein. Voilà. Bon, ça rapporte pas mal d'XP. On va se prendre vraiment la masse fiable, je pense. Ça sera 100 fois mieux. On va aller sprinter dessus, genre comme ça. Voilà, vous avez vu, ça les one shot. 100 fois mieux que le flingue. Allez, meurs par contre, toi. Oh, pourquoi ça te one shot pas? Non! Il m'a tué. Il m'a tué, le bâtard. Ah, le vilain, méchant, tout méchant. Dès là, on a pu équiper la sion. Ça, je comprendrai pas à quoi ça sert. Je suis seul dans le jeu. Tu peux me faire revenir direct. Hein. Alors, bon, c'est bon. On y va au flingue parce que bon, ils nous défoncent en 2 secondes avec leur merde. Faut se faire plaisir. Attention, mode commando. Yata. Merde, il s'est planqué. Sors ta petite gueule. Ah, regardez-moi ça. Bim. Mon dieu, que je suis méchant. Toi, sors ta petite gueule là. Oh, headshot. My god. Oh my god! Oh my god! Il tire de partout! Oh 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 my god! Où je vais maintenant? J'avance à aveugler. Oh, il y a une porte là. Elle mène où? Elle mène sur l'extérieur et une petite piscine. Et un escalier. Une vieille ville. Oh tiens, je suis. C'est quoi ce délire? Ok, j'ai fait le tour, c'est génial, bravo Julien. Alors lui, on va le buter. Headshot. Oui, oui, on voit bien que j'ai été à jour joueur de Call of Duty, hein. Comme tout le monde, j'imagine. Qui n'a jamais essayé ce jeu? Attendez. Hop. Qui n'a jamais tenté le diable, j'ai envie de dire. Dans les boules. You coward. On recharge avec triangle par contre, là c'est moyen ça. Oh mon dieu, il y a des belles meufs. Oh. Ah, il y a un plan. Oh. Oh, attendez, on va essayer de lui coller une balle pile dans la tête à lui. Putain, ils sont deux là. Non, ils sont trois. Il y a un bâtard là. Voilà, meurs. Allez, donne-moi tes balles, ton fric, vas-y, refile-moi tout. Voilà, oh super, encore un level. Alors du coup, les mecs, j'ai quand même dû me recréer un personnage, je tiens à le préciser. Parce qu'avant, j'étais une Shintok, hein, j'ai voulu me faire un black. Oui, oui, c'est bizarre comment je décris les personnages, c'est assez raciste, mais c'est pas grave. Vous allez me pardonner. Parce que de toute façon, je sais pas comment m'exprimer autrement. Je fais partie du front.
Non, non, c'est que... Voilà, vous avez compris. Donc je me suis fait un black et puis voilà. Parce que j'ai pas pu récupérer les données avec une clé USB vu que les données sont protégées. Et la seule solution pour que je les récupère c'était de... C'était de payer un mois d'abonnement au PlayStation Plus, j'avais pas envie. Et je pensais avoir des codes pour le PlayStation Plus, mais en fait c'est des mois d'essai. Et vu que j'ai déjà eu le droit à un mois d'essai, bah, je me suis fait baiser. Et d'ailleurs, c'est ces mois d'essai, j'ai 3 mois d'essai à faire gagner en concours lors de mes 1000 abonnés. J'espère que ça vous fera plaisir. You made it. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Pas de problème. Bon, alors on se finit. Oh, la jolie petite tête là, découpée. La jolie jambe aussi là. Enfin bref, donc on finit cette quête et après on arrête l'épisode là, hein, vu que c'était vraiment très très court pour annoncer la reprise. Et puis c'est pas si mal comme ça non plus, hein, les mecs. Alors, attendez, hop. Bah je le suis, hein. Allez. Antonio Margaret. I just worry about pressure. It's too low. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, 5 of them. Oh, j'ai gagné pas mal d'XP. On va récupérer le mode bombe collante. Et peut-être qu'on a le temps de faire une dernière. If we want tap water, we need to close those 5 hydrants. Difficulté difficile, mais je pense qu'on aura le temps quand même. Let me tell you where they are approximately. There's a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrant. Non, non, on n'aura pas le temps, je me rappelle cette quête. Non, non, on n'aura pas le temps. Eh, hey, ta gueule, toi! Ta gueule! Chut! Psh! Baisse les yeux! Ouais, regarde! Mais. Lol? Ça fait un impact sur le mur, on est d'accord. No command! Bon, fais-moi tes snacks, mec. Waouh, merci. Enfin bref, voilà. On va arrêter l'épisode là. En tout cas, moi j'espère qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de participer avec moi à ce méga let's play, cette aventure de Fifoux. Et on va bien s'amuser ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.